Salut YouTube! YouTube, j'espère que tu vas bien. On est reparti pour déjà une troisième session. Sur The Last of Us, la troisième. Voilà, on a lancé un live hier. J'ai encore envie d'en lancer un aujourd'hui sur The Last of Us. Je vous montre un petit peu le planning, vite fait. Alors non, ça c'est le compte-rendu du 24 heures. Voilà. Voilà le planning. On aura fait deux lives hier, celui imprévu et celui d'aujourd'hui. Mais bon, on va lancer le jeu tout de suite. Vous êtes chaud? Il y a une petite commande last. Je vais la faire pour vous. Explique un peu le jeu qu'on va faire ce soir. Voilà, voilà. Trop kiffant, me languille de prochain. Let's go, Lise, trop chouette. Mais j'espère que tu vas kiffer mes lives, hein. Parce que toi, tu m'as découvert hier sur The Last of Us. Mais si ça se trouve, d'ici deux lives, tu m'aimeras plus du tout, hein. Tu te diras, en fait, c'est un peu un noob. Bah, l'oseille, t'étais toute seule avec les drapeaux, merci. Fallout 4, patch next gen. Le 4, j'y retournerai jamais. Sur le prochain, ils m'ont déçu. Bon, allez, let's go. On coupe la musique. Oh bah. On laisse un peu la petite musique. Ça me donne envie de chialer. Ah là là, The Last of Us. Regardez, j'ai encore modifié ma barre en dessous, mon overlay. J'ai rajouté le petit B. Ça faisait vide au milieu. Donc ça, je vous montrerai après, je pense. Attendez, hein. Ah merde, elle est où? Ah, elle est là. Ok, ok. Hop, on a écouté la petite musique, ça m'a fait kiffer. Oubliez pas le 5 novembre. Eh non, Ra's al Ghul. Mais les drapeaux aussi, mais ça s'en va pas apparemment. C'est vrai? T'as peut-être trop mis? J'ai calé un peu, je reviens à toute allure. Tout à l'heure, des bisous Asgard, des bisous, des bisous. Reviens un peu dans le chat, discuter toi, hein. Un peu plus là, ça fait longtemps, hein. Collection refait les siennes, possible. Je vais avoir God of War en avance, putain. Let's go Dashu, profite. Moi aussi j'en ai des frissons. Allez, c'est parti, on continue. Continue. Oh yeah. Comme si c'était hier. Oh, ben regardez ce qu'il y a directement. Shit. Bon. On est où là? On est en pleine ville, on est avec Ellie. Tess nous a quittés malheureusement, on n'est plus qu'avec elle. Je vous invite à faire la commande last pour suivre un peu l'histoire. Ici, je vais vous expliquer l'histoire du moment, je vais pas tout résumer. On est dans cette ville car on recherche un ami de Joël, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, un de ses amis qui pourrait peut-être nous obtenir une voiture. Parce qu'on est censé transporter la fille ici présente, qui est notre colis. Hein, on n'est pas encore ultra attaché avec elle, à elle, mais... bon, tu sais quoi, elle est peut-être la solution pour ce virus de merde qui décime l'humanité. Et c'est notre colis, voilà. On va chercher notre ami, on sait pas s'il a envie, on voit qu'il y a de la fumée là-bas. Donc on va s'y diriger, d'accord? On venait de trouver un arc à flèche. J'ai raté ma flèche, j'en ai rien à foutre, je vais recharger ma partie. Monsieur Artyom! Bruit de pas du tyran, 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 au secours. À l'aide, en fait. Merci pour le sub, mon bro. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Ah, c'est toi les bruits pas du tyran, d'abord. C'est toi qui vas les entendre, pas moi. Hein. Voilà, désolé, je voulais one-shot cette créature. Voilà, voilà. Yes, I'm not so, let's go.
Ah, il s'appelle Bill. Stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? I understand. We got to be clear on this. He don't take too kindly to strangers. All right. He was a good guy. He just definitely needs some time warming up to you. So. Vous avez entendu ce qu'il dit, hein. Bill, il est gentil et tout, son pote, mais il est un peu spécial, quoi. Il est un peu insocial, tu vois. On va passer par là. Hop. Les gars, regardez un petit peu. J'ai un truc à vous montrer. Ronflex level up 185, le level. Pocho, salut. Ça roule, merci mon bro, merci pour la force. Merci beaucoup, mon ami. Merci, Pocho. Merci, merci, merci. Des bisous. L'ami de Joël, c'est pas noyeux. Noyeux Joël. Oh, il est pas drôle. Asgard, tu devais pas y aller, toi. Les gars, regardez un petit peu. Regardez un petit peu. Bon, c'est quoi de cette caméra, là? Celle que je viens d'activer. Attendez, je vais la mettre près de l'autre, comme ça, je pourrais désactiver l'autre en deux secondes. Parce qu'en fait, je commence à en avoir marre des fois que ma caméra prenne beaucoup de place. Dans les cinématiques, des fois, c'est un peu dommage. Attendez. Galère pour faire un truc. Mais elles sont où mes autres cams? Tu vois, je sais pas si c'est bien. Parce que le chat, je suis pas trop fan. C'est bien? Je me dis que pour certains jeux, je pourrais faire ça, tu vois. C'est un peu plus immersif. Ça prend moins de place que ça. Tu vois? Ça prend moins de place que ça. J'espère que le chat est lisible et tout et tout. Je me tâte. En fait, j'ai pas trouvé la formule. Pour faire un format carré. C'est difficile parce que le chat, pour moi, c'est important. Il faut que ce soit assez grand pour YouTube, etc. Tu vois. Regaillot. Je reviens et je vois double, j'ai trop bu. Ah, Gaillot. C'est mieux en plus petit, même si ça réduit ta sublime personne. Après, ma tête, elle est zoomée. Hein. Ma tête est aussi grande, en vrai. Juste, tu vois pas sur les côtés. Ma tête est même plus grande. Je vais le carré, ouais, c'est mieux. Pas carré, c'est trop petit pour ton crâne. Oh, quel bâtard. Bon, apparemment, vous êtes chaud de laisser comme ça. Hein. Stupide enfant! Bienvenue. Installe-toi. Pourquoi ce pseudo, là? Ça m'a fait penser à Stupide, Obi, Joufflu. Est-ce que j'ai des munitions pour mon autre calibre? Non, j'en ai qu'une. Attendez. Mais. On va la recharger. On commence doucement. Hein. Merde! Pardon. Changer d'arme. On reprend le pistolet. Et on reste équipé à l'arc à flèche. Je suis un peu triste. J'ai tué un mob à l'arc à flèche et j'ai pas pu récupérer ma seule flèche. Ça dégoûte un peu. Je rappelle que je joue en survivant, les amis. Je joue en survivant. Ouh. Ouh. Attention. Il y a un piège, là. Je joue en survivant. C'est la difficulté au-dessus de difficile. Autant vous dire que ça va tabasser. Stay underneath it, okay? Just keep your head low and you'll be fine. All right. Bon, on sait qu'il y a des zombies ici, hein. Des infectés plutôt. On a vu. Oh! Yeah. Si je mets une tête avec ce gun. Ça va et toi, stupide enfant? Quelle idée de pourquoi ce pseudo, mais je l'aime bien. Ouais, je dis souvent ça de mes viewers, hein. Il y a beaucoup de stupides enfants, mais je les aime quand même. Bienvenue parmi eux. Tu te fondras bien dans la masse. Pas méchant. Carré, c'est carré, let's go. Mais c'est pas l'unanimité. Ah, tu préfères la première, Lise? Oh, j'avais pas vu, tu préfères la première, toi. Et pourquoi tu préfères la première? Je dois vraiment l'ouvrir moi-même. Oh, putain. Comment ça y est? Il y avait du bruit une seconde avant. Survivant, infiltration, je sais pas si c'est bon combo. Survivant, moins infiltration, comment ça, Lise? Attends, j'ai pas bien compris ta phrase. J'ai pas regardé à droite, hein. J'espère qu'il y a rien derrière moi. Fais comme s'il y avait rien derrière moi. Les gars, c'est horrible, on sait qu'il y a quelque chose ici. On le sait.
là, s'il n'y a pas du loot. Bon, il n'y a plus qu'une seule pièce possible. Hein. Pas du loot, là, il n'y a pas de tiroir à ouvrir. Non. Mais attends, moi, je serai un survivant, là, les vêtements, je les prends, hein. Les vêtements, je les prends, quoi. Bon, là, pas tout, mais... Il n'y a même pas un objet. Alors, en survivant, les amis, le loot, il est inexistant. Encore chef. Pourquoi tu dis encore chef, toi? Des Kinder, exactement, lire-nous. J'ai la ref. Je préfère la première avec le fond derrière. Je sais pas, à l'œil, c'est mieux. Mais pour le stream, c'est bien aussi. C'est vrai qu'on voit mieux le fond de mon décor. C'est un peu plus joli, c'est vrai. Après, on peut les... Savez quoi? Écoutez, je vais vous demander d'être attentifs, les amis. Donc, je rappelle, regardez, j'ai deux styles de caméra. J'ai envie de tester la carrée. D'accord? On va tester celle-ci jusque 21h30. Dans une heure, une bonne heure, tu vois. Et dans une heure, on fera un sondage, vous me direz un petit peu. Donc je vais vous demander d'être attentif, quoi, de regarder si vous trouvez ça bizarre ou pas. J'avais dit, hein, une balle dans la tête, ça allait le tuer avec cette arme-là. Bordel, Rachel? Eh, hey. C'est bien visé, hein. Sinon, fond vert, c'est plus immersif. Putain, j'avoue, fond vert pour The Last of Us. Pourquoi j'y ai pas pensé? J'ai pas pensé au fond vert pour The Last of Us, merde. Bah ouais. C'est vrai que je pourrais essayer. Oh, les jeux où il y a un putain de miroir, merci. Merci de faire ça, où il y a mon reflet, quoi. J'en ai marre des jeux où il n'y a pas de reflet. Je l'ai déjà dit, je le dirai à chaque fois. Dans une heure, il aura zappé. Putain, mais... T'es sûr qu'on se connaît pas, nous? J'ai l'impression que tu me connais, toi. Ellie, bouge, s'il te plaît. Je regarde s'il n'y a pas à manger. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il écrit Rachel sur le mur et il y a une note. Ah, c'est en anglais, je sais pas lire. Rachel! Des soldats vont de porte à porte et obligent les gens à entrer dans des bus. J'entends des cris à deux pâtés de maison. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai essayé d'appeler, d'attendre, mais je peux plus rester. J'ai jeté le gros de nos affaires dans deux valises. Je t'attendrai dans la zone de quarantaine. Retrouve-moi là-bas. À très vite. Ezra. Oh, dur, triste. Triste, triste. Mais attends, ce papier est dur. Ce papier... How the hell would I know? Well, I'd like to think they did. Le papier, il date de 20 ans, les amis. Hein. Attends, il n'y a rien d'autre dans cette maison, hein. On est d'accord. Hein. Putain, t'imagines, je suis en survivant, j'ai eu que 5 pièces. 5 pilules pour level up. Allez, on se casse. Je rappelle qu'on est à la recherche d'un ami à moi. J'ai nommé... Oh, il y a des pièges là. J'ai nommé Bill, hein. Bill, on le recherche parce qu'il pourrait nous procurer peut-être un moyen de transport. C'est un ancien ami à nous. Apparemment, il nous en doit une, je crois. Je peux passer par là. Oula, mais attends, par où je vais, là? Attends, il n'y a pas d'objet. Faudrait que je grimpe sur la voiture, non? Ah! Pas d'intrus. Ouais, mais... Comment je grimpe? J'ai pas vu d'échelle. Est-ce que... Ah, je sais pas, hein. Attendez, je réfléchis, les amis. Hein. Je réfléchis. Ah, mais il y a ça, là. Mais ça s'ouvre pas. Je peux pas tirer dessus pour l'ouvrir. Ah, peut-être? Je crois pas, hein. Je crois pas, il me l'aurait indiqué. Du coup, là, il y a deux explosifs. Comment je fais pour passer? Me spoilez pas tout de suite, hein. J'aime pas être bloqué, mais... Et là, dans le camion, il y a rien, hein. Et moi, je viens de là-bas. Mais merde, alors? Est-ce que, par hasard, je peux pas sortir par une fenêtre, ici? Je crois pas, il y a eu un dialogue, donc je pense pas, mais... Ah, il y a une porte, là! Regardez, là! Oh, merde, elle est verrouillée! Myrte! Oh, j'ai eu un espoir! Ah, ça, demain, il n'y a pas de fenêtre ouverte, non. Toi, je suis bloqué? C'est quoi, ces conneries? Moi, je parle anglais, t'inquiète, je peux te traduire. C'est vrai, tu parles anglais? If you want, you can speak English with me, Artyom. Tell me, what do you plan for tomorrow, Mr. Artyom? I'm blocked.
Tire, bon sang. Tu crois que je dois tirer? Pourquoi tu chantes alors que je viens de tirer et de gaspiller une balle? Lise? Je ne sais pas quoi penser de vous, très chère Lise. Attends, mais les gars, je suis réellement bloqué. Mais je suis bloqué, les gars. Mais je sais pas où aller. Bon, je tire sur les explosifs. Attends un peu, astuce. Non, 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 je vais pas regarder. Attendez, j'ai une idée. Hey, let's go! Bon, je vais quand même gaspiller une balle. Hein. Il y a un piège, ouais, j'avais vu le piège, t'inquiète. Hein. Salut Ultra! Comment allez-vous, très cher Ultra? Welcome! J'ai vu votre beau coq dessiné. Et salut Ibana, ça va ou quoi? Explose des explosifs, putain, ouais, j'avoue Titi. J'aurais dû y penser plus tôt. Hein. C'est comme Indy là, tu tournes dans le vide. Tourner dans le vide, vide, nanana. C'est tout ce que j'ai comme parole. Alright, watch your step. Oh, let's go! Vous serez abattu à vue. Alors, je vous rappelle que on recherche un de mes amis qui s'appelle Bill. Les pièges, c'est probablement lui qui les a placés pour éviter qu'il y ait des intrus. Attendez, je vais recharger mon arme. Je galère un peu à changer des fois. Hein. Il y a une manip de touche à faire. On va recharger. Artyom, why you don't speak with me? You don't understand my English? Mr. Artyom. R1 bata. Ah oui, c'est vrai, pour changer d'arme. Oui, non, non. Le R1, meuf, c'est pour changer entre armes lourdes. Enfin, armes, tu vois, grandes armes. Ou petites. Tu vois, je peux pas changer entre mes deux pistolets. À moins que tu fasses carré. Mais non. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Non, pas d'objet. Je regarde bien, parce que les objets sont quand même bien planqués. Hein. Stay close. Oh, 8 balles. Ah, attends. Pourquoi il me donne autant de... Pourquoi il me donne autant de munitions? Oh, chef Gamers! Ça va et toi, mon bro? Comment tu vas? Comme d'hab, la routine chaque soir. Ça geek sévère. Ça fait son petit cappuccino, Mister Ibana. Moi, devant ton stream. Lance ta brique, bordel, c'est vrai? Lise, c'est bien parce que vous êtes nouvelle que je vous pardonne. Mais Lise, vous m'avez fait gaspiller une munition. Moi, je pense que normalement, ça mérite un ban. Mais vous êtes nouvelle, donc on accepte. On ne vous en veut pas, d'accord, mademoiselle Lise? Oh, quoi? Oh merde. Damn it, Bill. Oh merde. What just happened? Wow. We want to build stupid traps. Je... There. That fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. Le frigo, ouais. Je me suis équipé d'une arme qui avait pas beaucoup de munitions, j'ai que 3 balles. Si je peux pas changer d'arme, ça va être compliqué si on se fait attaquer maintenant. Cut that rope and it'll bring me down. On it. J'ai la tête à l'envers, c'est un truc de ouf. Je... Ouah, visuellement, ça... Allez, let's go. Vite! Joel! Vite! Shit, here they come. Here's the mammo. Oh, ils m'ont mis la bonne arme, ils m'ont mis la bonne. Ils m'ont mis la bonne. Il suffit de faire des headshots, les gars. J'ai mis un headshot, là. Joel. Un deuxième headshot. Un troisième headshot. Quatrième headshot, je suis trop fort. J'ai plus que 2 balles dans mon chargeur, je crois. Oh merde, y a un putain de... Vite, recharge, recharge. Allez, let's go. Donne tout, Ellie, coupe cette corde. You alright? Yeah. Come on, you can do it.
Putain, tous les cadavres, on en a abattu quelques-uns. Au moins, il y en a qui sont pas assez intelligents pour grimper. Oh merde, 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 merde. Faut protéger Ellie, là. Oh là là, les deux headshots que je viens de faire, mais je suis trop fort. Et merde, voilà, ça y est. Oh vite, je recharge, vite, merde, 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 merde. Hell off, you son of a bitch. Allez, va couper cette corde. Putain, c'est infini, quoi. Vite, y'en a un qui arrive, y'en a un qui arrive, y'en a un qui arrive, y'en a un qui arrive. Vite. Carré, 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 carré. Bill. Oh putain. Vite. Vite, ferme. Oh. Mais attends, il y a peut-être du loot ici. Non, non. Ah, les gars, j'ai bien joué pourtant, ça dégoûte. Attends, bata, c'est pas fini. Oh non, vraiment pas. Voilà pourquoi les munitions, oui. GG pour ton top 1, monsieur K, GG. Putain, c'était interminable. Salut Dragon, comment ça va, mon bro? Je suis impressionné là, certains sont complètement perdus avec cette cam. Attends, quoi? Comment ça, certains sont perdus avec la cam? Attends, pourquoi tu dis ça? Ah oui, 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 la caméra à l'envers. Oui, c'était très difficile. Franchement, c'était dur. Mais je me suis bien focus, hein. Je me suis bien focus. C'est dommage que... Que juste là... En fait, j'étais en panique un peu. J'étais en panique. Je dois ajouter une mort, hein, stupide enfant. Stupide, bite joufflu. Il est chaud, notre bâtard. Franchement, ça se passait bien. Joël l'appelle Bill alors que les sous-titres disent l'homme. C'est vrai? Il dit... Bah, c'est parce que sur le moment, on le sait pas trop, tu vois. Alors que non, non, il l'a appelé Bill, ouais, c'est bizarre. Hein. Merci Ultra, ça fait plaisir. Moi, ça va, hein, Dragon, je suis en forme et je kiffe le jeu, c'est insane. Par contre, c'est... Waouh, je pensais pas qu'il y aurait autant à tuer, hein. Il y en a beaucoup, hein. Ils ont pas tapé trois zombies, quoi. J'espère que je dois pas tout recommencer. Je pense que ça va être dans la pièce directement. Vous êtes chaud? Hier, j'étais en mode, j'espère qu'il va faire ce moment. Ah, hier soir, ça aurait été difficile, hein. Oh merde, j'ai tiré, je voulais recharger. Pas du loot? Oh shit. God damn it, they're coming over. Come on, they're getting through. Keep going. Vite, je me retourne pas, je me retourne pas. Je crois que c'est fini. Alors franchement, c'est dommage que je sois mort quand même. C'est trop con quoi. C'est vraiment trop con que je sois mort. Thanks for the heroics and all. Ellie. Hey, what are you... Joel? Bill! What are you doing? Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around all right. And get on your knees! Mais bro, pourquoi? Pourquoi, bro, on se connaît? Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! I see so much as a... Ow! Stop! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house, you set off all my traps,
You damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And oh. You can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is this some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. Elle a 14 ans. All right. Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. C'est vrai, Ibana, c'est vrai. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. Insociable, ouais, grave, hein. That's fine. A couple of days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby trapped. Best stay right on my ass. T'as pas du loot, toi, dans ta cabane? Can't miss it. Knock it off. Bon, on va essayer de... Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. Hey, thank you. Bon, bah, let's go. Take a look around, see if there's anything we can use. Alrighty. Bon, on va regarder s'il y a du loot, du coup. Quelle réplique exactement, Silent Hill? C'est vrai que les répliques dans ce jeu, en général, elles sont lourdes. Oh! Bah, let's go, le mien, il est abîmé. Let's go. Qu'est-ce qu'on a ? On va aller directement dans la pièce ici. Un petit mot. Pas du loot. Ça va les gars ? Il est loot time ! Oui, c'est... ça fait plaisir. Stay out of his way. Putain, elle a 14 piges les gars. I need to remember to clear the infected by the defense. The fence is mounted, too many of them. Ok. Il y a trop d'infectés près des barrières et du coup il faut de temps en temps aller nettoyer le passage quoi parce que sinon ça peut devenir très dangereux. Ok, cette pièce clear. Là on a le plan. Ça peut m'aider ça. Ah, il y a tous les traps, il y a tous les trucs. Alors où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? C'est là-bas qu'on doit aller. On doit aller à l'école, les amis. C'est là qu'on doit aller à l'école. C'est là-bas qu'il y a des pièces, apparemment. Nest. Ok, il y a des nids. Il a ce qu'il appelle... il y a des nests écrits à l'écran. À côté de ma caméra. Il y a une cache. Peut-être là où on est. C'est peut-être là où on est, hein. Ok, il y a quelques zones safe, en tout cas. D'accord. Je le prends avec. Let's go. Qu'est-ce qu'on a derrière le bar? À mon âge, quoi. Mais ouais, mais t'as vu comment elle parle? Elle est violente, hein? Est-ce que t'es comme ça, toi? Bon, après, elle a pas la même vie, hein. Je rappelle, ça fait 20 ans que le monde est parti en couille. Donc, elle est née dans cet univers brutal, quoi. On va regarder le côté droit. Je vois pas d'objet. Il y a une porte. Ok. Là, il y a un truc qu'on lidera de l'autre côté. Et côté gauche, ici, est-ce qu'on a quelque chose? Pas de loot. Je suis obligé d'être très minutieux parce que le loot est bien planqué dans ce putain de jeu. La suite, c'est là-bas. Ça, c'est fermé. D'accord. Maintenant, du côté des tables, ici. Putain, mais... Il a rien, Bill, hein. Il a aucun loot, hein. En survivant. Hey, you know how to play this? Yeah. Pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer! Don't touch anything on that board! Bobby, what? Just let it go. Il joue peut-être contre lui, hein. Peut-être qu'il joue contre lui-même. Il y a des gens qui font ça. Là, j'ai vu un truc briller. Il n'y a rien, il n'y a pas de loot, les gars. C'est scandaleux. Je suis en survivant, c'est trop dur. C'est trop dur. Lire, c'est pour traduire au cas où. Oui, je sais bien, Ultra, mais j'avais envie de le lire en anglais. J'écris ce message pendant que tu traduis toi-même. Autant pour moi. Non, mais t'inquiète, Ultra. Je sais bien qu'il y a... Mais c'est gentil, c'est bienveillant.
Quand Ellie dit que Bill a un peu trop de bouffe. Un peu trop bouffé, non? Elle a dit ça, c'est vrai? Non, j'ai même pas fait gaffe. Joe aurait été sympa en coop. Ibana, ouais, peut-être. Il aurait été sympa en coop. Mais moi, j'aime bien le fait que ce soit un jeu solo. C'est une aventure vraiment à vivre en solo, pour moi. Ça peut être sympa en coop, mais juste l'histoire, etc., en coop, c'est jamais la même chose. Pour moi, c'est un jeu full solo. Ça fait les études d'anglais, non, ça se voit. Comment tu sais? Non, my English, mon anglais, il est juste parce que je regarde des films en anglais, c'est tout. Chapitre 4, longévité accrue des lames. Aiguisage, aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer et augmente par conséquent la durée de vie de la lame. J'ai débloqué les surins améliorés. Mais ça dégoûte un peu parce que j'en avais besoin au début du jeu. Il me disait qu'il y avait des portes que je pouvais ouvrir si j'avais le surin amélioré. Du coup, quoi, je peux l'améliorer, c'est ça? Comment j'améliore le surin? Vous savez comment on fait ça ou pas? Ou juste mais tout. Ou alors peut-être que tous mes surins sont améliorés et c'est tout. Bon ben on y va, hein. Y a rien ici, hein. Y a rien d'autre, hein. Let's go, Bill. Moi aussi, je suis bien quand je parle. We're good. Je suis pas comme ça dans le chat parce qu'il n'y a pas de raison, mais sinon, oui, c'est vrai, lire-nous. Aïe, aïe, aïe. Même pas une petite bouteille. C'est vrai que j'ai même pas vu de bouteille. Ça dégoûte en vrai. Hein. Enfin, quoique. Non, c'est du ketchup et de la moutarde. Autant pour moi. Donc hop, tu fais trop de la merde avec ton pote et tu skips un peu l'histoire. Ben ouais, c'est ça. Hein. C'est ça en fait. Hein. C'est ça le problème. Sinon, là, le gameplay de ce jeu-là, en coop, ça peut être trop bien. Mais The Last of Us, les gars, c'est une histoire remplie d'émotions. Rempli de plein de choses et c'est un jeu solo pour moi. Allez, Eric, come on. J'aime trop le jeu, il est cool, hein, Lirno. Il y avait une chaise, merde, j'ai pas. Trop tard. Stay with me. Trop tard, j'ai loupé la chaise, bro. Par contre. Take a look around up here. Take whatever you want. Thanks. Il y a un multijoueur, hein, Ibana, mais c'est du combat, quoi. Bon, là, on va mettre la traduction. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, poser plus de panneaux d'avertissement. Montrer qu'on ne rigole pas. C'est chaud, hein. Lui, il a balisé la ville avec ses panneaux, mais... Il est tout seul, le gars, quoi. Il s'ouvre pas. Attends, Bill, attends. Ça va, il fait encore jour. Rien dans ces toilettes? Regarde partout s'il n'y a pas les tiroirs à ouvrir ou quoi. What kind of trouble are you in? Where the hell's Ted? It's just a job. Simple drop off. What are you delivering? That little brat? Haha, fuck you too. Oh. You know, I hope you know what you're doing. You kidding me with this guy? Where are we going, Bill? My other safe house. More of an armory. Wait, oh. I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix Bill, just... That's like I said, what I need's on the other side of town. Now that side I don't ever go to because it's filled with infected. So we're gonna need more guns. Entendu, là où on doit aller, il y a tellement d'infectés qu'on doit d'abord aller chercher des armes. She's busy. Yeah, something like that. Oh, gross. All right, here we go. Attends, Bill. Viens juste. Je suis désolé, hein, peut-être que je fouille trop, mais les gars, en survivant, chaque objet est vraiment d'une nécessité. C'est scandaleux, d'accord? Beyond Two Souls, c'est bien en solo et pourtant on pouvait jouer en coop. Oui, c'est vrai, mais le mode coop était...
spécial, tu vois, Beyond Two Souls. Le mode coop, il était exprès pour se plonger dans l'histoire. Là, si tu parles de mode coop, c'est juste tu joues la meuf et on est tous les deux à shooter sur des zombies. Beyond Two Souls, ça n'a rien à voir, tu vois, le mode coop. Milcock finit sur Didi. Vas-y, je vais aller voir. Hein. Hé, Kaioki ! Je passe pendant que je suis dans le train pour entrer à ma maison. Kaioki, je voulais te dire, Kaioki, envoyez un petit peu des cœurs pour elle. Parce que Kaioki, elle m'a carry pendant le live 24 heures. Elle envoyait les annonces sur Discord, elle était là dans le chat et tout. Donc Kaioki, des gros cœurs sur toi, d'accord ? Jamais sur le sort quand j'ai un shift. Ah non, mais c'est une mauvaise idée, ça. Ça, c'est clair. Hein. Ta-na-na, un petit retard sur le crâne et le son quand il parle. Ah ouais ? Ouais, tu dois recharger ta page. Yeah, des gros cœurs pour Kaioki. La bosse, hein. Les muffins, ça compte pour du loot. Putain, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien. Moi, je vais bien, Kaio, en tout cas. Je l'ai encore en retard. Mais t'as en retard le son par rapport à ma bouche ? C'est bizarre, ça. Vous, les autres, ça va, il n'y a pas de problème de son. Hein. Ah, mais compote, elle a fini. Elle m'a pas prévenu, compote. Regardez un petit peu. Donc, on a le coq de Ultra. Putain, il est stylé. Il est vachement classe, hein. Parce que oui, moi, sur Discord, les amis, j'aime bien que les gens partagent leurs créations. Donc, n'hésitez pas si vous créez des trucs. Il est cool, il est propre. C'est fou, les détails, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, les détails dessus. Tu peux faire des mascottes pour beaucoup de gens, hein. Franchement, mec, je suis trop fan. J'exagère pas du tout. On pourrait se dire, oh, c'est qu'un coq. Ah. Ça, c'est compote. Oh, je reconnais Izumi. Ça va, elle a bien fait les poils des oreilles. Izumi-chan, c'est une streameuse qui est une VTubeuse. Donc en gros, au lieu d'avoir une caméra, elle a un avatar qui parle. Et ça, c'est Compote qui l'a dessiné. Trop cool. Trop cool, trop cool. J'aime bien. Bien joué, Compote. Bien joué, les gars. Ne vous arrêtez jamais de créer des choses, les amis. Que ce soit des dessins, des musiques, des trucs, des poèmes. Ne vous arrêtez jamais de créer, d'accord ? By the way, je risque de pas être là pour le subathon. Non, sérieux ! Kaioki ! Y'a aucun stress. T'inquiète, t'as fait ta part. Je te jure. Zéro problème, ok. Les secondes avance alors. So... Je peux pas bouger les personnages, non, je peux pas. Hein. Je peux pas. Hein. C'est un peu chiant ça. Je voulais faire une belle photo de la voiture en fait. Vraiment. Mais du coup, je peux pas faire un plan large vu qu'il y a Joël devant. Et c'est un enfer. Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine block look like. Ils disent de ces... J'aime bien comment ils parlent. J'aime bien les échanges qu'ils ont. Ta-na-na-na. Ah, on fait une petite photo là, une petite photo décor. Vite fait, bien fait, vous inquiétez pas. D'accord ? Mais la taille, on dirait que je l'ai pas changé, quoi. La lumière, elle se met... Ah, on la voit pas. La lumière. Elle se met sur mon personnage. Ah ! Je vais éclairer la voiture. Ah, c'est pas ouf. Ah, j'arriverai pas à faire une photo cool. J'arriverai pas, en fait. Je vais faire une photo chouette, mais c'est mort. J'y arriverai pas. Laisse tomber. Ben ouais, moi... Ça m'avait inspiré un petit peu le cadavre dans la voiture, mais bon, c'est trop dur, les photos. Je me suis toujours pas entraîné.
Batasha Tuning et... D'ailleurs, hier soir, je t'ai demandé, donuts à quoi? Tu m'as répondu chocolat. Bah, j'en ai dessiné 3. C'est vrai? Bah, vas-y, hein, si tu les envoies, on va les voir, hein. Salut, petit gars, installe-toi. Ce Miller, que ça roule, Kainox. Des bisous. Damn it. Oh merde, c'est des... J'avais pas vu J'avais pas vu que c'était des putains de cliqueurs. Keep an eye out. Oh merde, je suis con, on peut sortir mon sac. Alors qu'ils me suivent. Comme ça, j'aimais bien avec les faits. C'est vrai, Lirno ? Bon, on a pris une petite photo quand même. Tu dis clicker et non claqueur ? Je crois que je dis les deux, non ? Clicker, c'est en anglais, je crois. Ils ont achevé le zombie qui avait plus de jambes là. Ouah, c'est si violent les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point. C'est hardcore. J'adore, putain. Bill, Joel, this way. Ouah, c'était. Chaque fois que je tire une balle, je suis là, my God. Tu vois ce que je veux dire? À chaque balle que je tire, je suis là, putain, c'est fou. Sorry, je regarde bien partout comme d'habitude. Hein. Vous savez. Hein. C'est très dur de changer d'arme en plein combat. T'as un côté réaliste au jeu, tu peux pas switcher d'arme en 2 secondes. Ah, mais je suis con, il y avait R1. Ah, mais j'étais pas. Non, j'étais équipé de l'arc, c'est pour ça aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Cliquer en anglais, bien vu. Ouais, c'est ça. Clic-clac. C'est quoi, claqueur? Ça veut dire quoi? Clicker, ça me stresse. Non, mais de fou, c'est trop stressant. Hein. Ça va bientôt être au tour du dessin de Natacha. Ouh, j'ai hâte de voir, compote. Tu vas me faire en fille, alors? Tu vas me faire en fille? Il y a encore Internet dans ce monde. Pourquoi tu dis ça? Des cliqueurs? Il y a encore Internet dans ce monde? J'ai pas compris ta phrase. J'ai plus de retard. Let's go! Vous voulez qu'on teste si vous avez du retard sur le stream? Écoutez bien, je vais vous demander d'écrire un mot dans le chat. Ok? Vous allez tous écrire. Écoutez, quand je vous dis le mot, vous l'écrivez direct, d'accord? On va écrire le mot popotin. Écrivez popotin. Popotin dans le chat. Dites mouton, arrête. Et ça va, c'est rapide, hein? Putain, vous êtes si rapide, il y a que dalle de délai, c'est fou. Le bon popotin, là. Popotrin, bien joué. Yeah. C'est un petit thèse, voilà. Hein. Ibana, il pense que vous êtes des moutons. Il a dit, dites moutons. Il pense que vous êtes des moutons à me suivre comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Je sais pas. Yoji, comment tu vas, mon bro? Tu vas bien, mon ami? Comment tu vas aujourd'hui? Les cliqueurs sont ceux qui cliquent. Du coup, tu cliques sur Internet. Ah, j'avais pensé à ça, mais c'était si nul que je me suis dit que c'était forcément pas ça, Ultra. Babybel. Qui mange des Babybel? Chef Gamer, tu peux me faire un sondage? Un sondage genre, que pensez-vous des Babybel? Tu mets trop bon, pas bon... Et tu vois, un truc du genre. Tu veux bien, chef? Oh, chez le gamer, ce qui a banni Ibana à 30 secondes. Iba n'est pas le seum. Hein. C'est pas ouf, arrête, c'est trop bon, les Babybel.
Non, ok, c'est pas dingue, mais en vrai... You picked a hell of a place to hold up, didn't you? You know, as bad as those things are, at least they're predictable. It's the normal people that scare me. You of all people should understand that. What does that mean? Il a pas tort, hein. Nothing. Il a pas tort, hein. Les zombies, ils sont prévisibles, tu vois ce que je veux dire? Tandis que les humains normaux, ils le sont pas du tout. Bon, putain, je suis étonné du peu de loot, les gars, qu'il y a dans ce jeu. C'est scandaleux. Oh là là. You sure that gate's gonna hold them? Well, I locked it. They don't have a key. Je me suis retrouvé en Sofria. Attends, c'est la Sofria? Non, hein. C'est pas ça le nom. C'est quoi là? C'est pas ça le nom, Audi? C'est... Ah ouais, en plus t'hésites, c'est la... Merde. Dans Elden Ring, les gars, le monde souterrain en bas à droite, c'est la... C'est pas Sofria, c'est quoi? Merde. Il y a le Harry qui est passé? C'est qui? Ah ouais, ok. Et qu'on pote aussi. Tu as combien d'heures de jeu? Ouah, sa mère, c'était si fort. Je suis à 5h et 48 minutes. On est au début, hein. On est encore au début. Il y a le sondage. Alors, vous aimez les babybelles? Pas ouf, Urk. Ah ouais. Pas ouf et Urk, c'est un peu la même chose, hein. Ça roule d'Ashniak à plus tard. C'est bon, t'aimes bien aussi, Brigand, les babybelles. Merci. Les gars, j'ai des souvenirs de ça. Est-ce qu'on est à l'école? Les gars, je crois qu'on est à l'école. Bande d'enfoirés. Évidemment, c'est Chef Gamers. Évidemment, c'est Chef Gamer. Pas d'objet, là. C'est sûr, c'était lui la deuxième fois. C'est l'école, ça, ou c'est une église? Ah, c'est une église. Ok. Ça se mange, Urk, pas bon du tout. On va dire ça, ouais. On va dire ça. Eh, Winnie, ça fait longtemps! You don't touch anything. Can you close the door? Ça va et toi, Winnie? Bienvenue. Let's gear up. Yeah, on est venu chercher des armes ici, hein. I need a gun. No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. On se rappelle que Joel, il est papa de base, hein, les amis. Putain, j'ai envie de chialer. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. It's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? Actually, her idea. Really? Well, then the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Il lui a dit qu'elle était morte ou pas? Take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. Look, let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wised the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Il a pas toutes les infos. Hey! What I said to you when we walked down the steps? What I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? On va avoir un fusil à pompe. Ah, je l'ai vu, ça me fait pas peur. On with it. Bon, ça va, il y a plus de gens qui aiment bien les babybelles, c'est cool. C'est moi qui ai dit pas ouf, c'est vrai, chef? Alright, before we go any further, I got something I gotta show you. What you got? Putain, on a un fusil à pompe. New toy from the toy box. Attends, gros, j'arrive, je fouille un peu, là. On arrivait par là. La suite, elle est clairement là où il est, hein. Regarde quoi, là? Des bouquins? ADR dans l'ombre, mon petit ADR! Ta-na-na-na. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai beaucoup trop de travail. Je suis modératrice sur le serve, sur un serve, plus graphiste, sur trois serves. J'ai pas beaucoup de temps. Putain, tu m'étonnes, Winnie. Bah vas-y, mais c'est cool. C'est cool pour toi, non? Vas-y, fais ça bien. Fais ça bien, très cher Winnie. Bon, y a pas de loot, putain.
Comme d'habitude. Mais ouais, je suis content que tu sois là. Dashniak dans l'ombre. Je préfère les ficello au Babybel. Eh ben, je n'ai... Mais attends, pourquoi il y a ça ici, genre? C'est pas la suite du niveau? Je n'ai jamais mangé de ficello. Je me demande si c'est pas surtout en France, les ficello. Je suis censé venir ici? Il va pas me dire qu'il n'y a pas du loot ici. Hein. Il va pas me dire qu'il n'y a pas des objets à récupérer. Hein. Oh, c'est joli, hein? Hein, c'est joli. Attends, je vais reset. C'est joli, non? Mais tu gâches le plan, toi, avec ta tête. Ouais, on peut vraiment pas cacher notre personnage. Hein. C'est marrant, je veux jamais cacher mon personnage dans les modes photo des jeux vidéo. Et sur ce jeu-là, ouais. En fait, regardez ce qu'on va faire. Regardez bien ce qu'on va faire. Hop, comme ça. Évidemment, il fait pas de tête stylée. Hein. J'aurais aimé qu'il se retourne de manière un peu cool. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a moyen. Je le vois. J'arrive pas à faire le plan suivant. Ça veut pas. Ah si, il clignote des yeux. Ah si, il bouge, regardez, il bouge. Mais c'est nul, vu que tu peux pas faire les expressions. Ah, ah, il fait quelque chose. Peut-être qu'il y a moyen de faire une photo sympa avec ça. Non. Non, vraiment pas, en fait. Non, c'est pas ouf, hein. Non, non, c'est vraiment pas ouf. C'est dur de faire des photos. C'est quoi le truc que j'ai activé derrière? C'est quoi que j'ai activé derrière? C'est la lumière, normalement, ça. Ouais, c'est ça, c'est le spot de lumière. Ici, je réchauffe un peu les couleurs. Ça va, vous embêtez pas quand je fais ça. c'est vraiment nul comme photo. C'est vraiment nul. C'est si nul. C'est bizarre, hein. Je sais pas faire des photos dans ce jeu, hein. Vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Hein. Ouais, je sais pas faire des photos. Au début, je voulais faire une photo du décor ici. C'était l'objectif. Donc, on va faire une photo du décor. Juste enlever le cadre. Désolé, du coup, je vous lis pas quand je fais ça. Voilà, aucun. Ici, on réinitialise. Merde. Et du coup, j'ai sa tête dans... Mais comment j'ai fait pour le... Je l'avais plus dans le champ. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, ça me saoule. Oh, désolé pour ce moment. C'est quoi? Je passe au travail. Oh, bah, de bisous alors, Winnie. Bah, ouais, tu restes vraiment pas longtemps, on dit. On n'aura pas discuté. Des bisous, hein. Pourquoi les photos penchées? Je sais pas. Parce que j'essaie de donner un style, mais comme je suis pas photographe, j'y arrive pas. Mais Dragon. Ah, j'aimerais bien être photographe, mais ça s'apprend. Et là, le mode photo de The Last of Us, j'y arrive pas encore. Laissez-le parler. Attends, quoi? J'ai loupé le message de Kaioki. Je sais pas ce qu'elle raconte. Pauvre bata, tout ça pour ça. Ouais, ça dégoûte. Mais je te jure, Kuro, le mode photo est trop difficile. Je m'étais dit que hors live, j'allais regarder, essayer de faire des photos. Et chaque fois, je me fais avoir, j'essaye en plein live. Y a vraiment pas de loot. Hein. Oh, un surin. Alors ça vaut le coup. Les surins, ça peut me protéger des claqueurs. Chaque fois que je fais des photos, on perd quoi? Allez, 5 viewers par photo? Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte.
C'est des notes de Bill, hein. Partout où il va, il laisse des notes. Let's go, de quoi level up. C'est vrai qu'on n'a pas encore level up, les amis. Je crois pas, hein. Regardez derrière ma caméra. Ah, mais non, du coup, ma caméra... Ouais, je vais l'enlever quand même. On peut level up en ramassant des médicaments. Guérison rapide, stabilité de l'arme, ça coûte 50. Venez, stabilité de l'arme, ça peut être bien, non? Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, moi je pense que c'est bien. Diminue l'instabilité de l'arme de 50 à 0%. Oh là 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 là. Je pense que ça valait clairement le coup, hein. Ça valait clairement le coup. Apprends-moi à faire la photo si tu veux. C'est vrai, mais tu fais de la photo, toi? Mais toi, tu parles trop comme si on se connaissait, c'est trop bizarre. Gros nez à Joël, là. Mais Joël, il est beau, mais il faut pas tout le temps, quoi. Ça joue, allez, let's go, l'oseille, ça joue, c'est bon, là. Oh, l'oseille, ben mince, alors. Il y a comme qui dirait un autre étage. Ah, merde, fait chier, karma. C'est meilleur en gaming, je crois. Franchement, vous savez quoi? Pour tous ceux que ça saoule le mode photo et tout, je vais vous montrer. Je vais apprendre à utiliser le mode photo hors live, ok? Je vais apprendre, et vous allez voir que je suis un professionnel, d'accord? Vous allez voir. Pour le prochain live, je ferai des photos de dingue dessus en 3 minutes. Vous allez faire, putain! Waouh, c'est un pro gamer, un pro streamer, et en plus, c'est un pro photoeur. Vous allez voir, d'accord? Bon, Bill, quand la suite? Ouh, tu vas faire une bombe? This is a nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Ah ouais, effectivement, ça a l'air de faire mal, hein. Les bombes à clous se déclenchent automatiquement à l'approche d'un ennemi. Ok. Je dois en confectionner moi-même, ça va coûter cher, hein. So we got shotguns and bombs. The hell are we doing with them? Well, every few weeks, this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with a battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo. I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah, those trucks are like tanks. Just sitting there. Actually, my work. Vous avez entendu? Bombe à clous, ouais, ça va faire mal, hein. On va aller récupérer la batterie d'un camion militaire. Alors, cette arme-là, il n'y a pas besoin d'améliorer, elle est forte, hein. Qu'est-ce qu'il me propose? On se prépare pour la suite, hein. Vitesse de rechargement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça coûte que 15, allez. C'est vrai que c'est un peu lent à recharger, hein. Pro photoeur, bien sûr. Eh ouais, lire-nous, attends. Prochain live, tu me triggers plus à faire des photos penchées. Je vais en faire plein des photos penchées, rien que pour toi. D'accord? 2 minutes max, c'est ok pour dire que t'es un pro photographe. Let's go! Après, regardez. Eh, hier, on a fait une photo. Mais j'ai fait une photo penchée. C'est où encore? Oh, j'ai pas l'habitude de la PS5. Hier, on a fait ça. Y a pas le cadre, hein, mais... En fait, normalement, je devrais mettre un cadre pour rendre ça stylé. J'aurais pu plus zoomer, mais je l'ai laissé à cette taille-là parce que ça va me permettre de faire des miniatures plus facilement. Vous en pensez quoi de celle-là? Je signalais ta chaîne Twitch, on va voir si tu continues les photos penchées. Non, tu es Batacha. Oui, c'est vrai. C'est vrai, chef. Ça me saoule pas, je trouve ça drôle, moi. Let's go, petit Guy. Tu te mens à toi-même. Quel bâtard, chef! On préfère te voir galérer dans le mode photo. C'est vrai, Pio. Menteur. Les lunettes qui vont pas avec le jeu. Mais pourquoi? Il y a peut-être des ananas dans ce jeu. Regardez cette photo, là. Merde. Bon, je rigole, c'est dans une cinématique. Ah oui, j'ai fait une belle photo, attends, sur... Eh. Elle est trop belle, là, comme ça, non? Tu sais d'où viennent les photos penchées du photographe qui était sur le Titanic? C'est
T'es une marque genre penché. Ouais, c'est ça, pencher. En fait, on dit pencher, chef. Y a absolument personne qui dit que mes photos sont belles. Juste, vous réagissez pas, quoi. Ok, bah ça va, j'ai compris. Ça coûte 20 pour augmenter la cadence de tir. Ouais. L'arc à flèche, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je peux rien faire, mais... Ah, il me faut une pince, et j'ai pas de pince. Dégainer plus vite. Parce que j'essaierais bien d'économiser, tu vois, mes points, mes trucs, pour faire de vraies améliorations plus tard. On va quand même regarder ça, on avait augmenté la taille du chargeur. Ça permet d'utiliser votre arme plus vite. Non, pas nécessaire. Rechargement plus rapide. Allez, on va augmenter le rechargement, mais on va pas se prendre la tête. Je vais garder mes ressources, d'accord? Ah, merci, voilà, stupide enfant, c'est ça que je voulais voir. Tu vas dans l'ombre, ça roule, Artyom, des bisous. Des bisous, des bisous. Entraîne-toi bien, mon bro. Ah non, c'est le jeu hilarant. Ouais, c'est trop drôle, chef. J'avais trop envie de rigoler, là. Je sais pas si ça se voit. Ok. Là-bas, ici, est-ce qu'on a quelque chose? Les gars, il va y avoir plein d'actions juste après ça. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est une... Oh, mais il y a plein de loot, là. Oh, mais il y a une... Il y a une pince. On en avait besoin. Merde. Bah, let's go. On va retourner à l'établi. Je vais améliorer mon arc. Comme dit Mastu, des barres. Trop des barres. Oh, étui d'armes longues. Crée un emplacement supplémentaire dans votre sélection d'armes, permettant de dégainer rapidement une deuxième arme longue. Ah ouais, les gars. Ça me coûte quoi? Ça me coûte 75 et une pince. Les gars, c'est trop important, ça. Oh, c'est trop stylé comment c'est fait. Il y a une vibes un peu Red Dead Redemption. Une vibes, je vous l'ai dit, Metro Exodus aussi, la fois passée. Les photos sont magnifiques, dignes d'un parfait photoeur. Merci, compat. Merci. J'ai beaucoup les photos que tu fais, mais elles sont aussi propres à ta vision de la belle photo et aussi à ton expérience dans le jeu. Car perso, je serais plus le joueur à faire les photos de paysage que les photos de perso. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ça. C'est vrai que je fais pas beaucoup de photos de paysages. Il est vrai que je fais pas beaucoup de photos de paysages. Il est vrai, il est vrai. Écoute, j'espère ne pas te décevoir dans le futur. Hein. Du coup, oh, regardez. Oh ouais, ça va tout changer. Fusil de chasse, fusil à pompe. Hop. Ah, ça va tout changer. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Merde, pardon, je galère encore. Hein. C'est pas mal. Bon, let's go, Bill. Moi, je suis prêt, hein. Peut-être une petite sauvegarde. Même... Non, il y a des sauvegardes auto tout le temps. Je sais même pas pourquoi. Je le fais quand même. Mais bon. Kid, mais... I swear to God, if you took anything... Hey, man, I don't need any of your shit. Trust oh me. Mais on va en haut, mais non her, right? Like a hawk. On retourne ici, les gars. Nice. C'était il y a une demi-heure, là. C'est vrai, Ultra, mais t'es trop gentil. On fait quoi, là? Oh, sérieux? Ok. J'avais même pas vu que c'était une fenêtre. Oh, Artyom vient de se connecter. Allez, come on. Look, there's a school. All right. Ready? Les gars, j'ai peur d'aller à l'école. J'ai très peur d'aller à l'école, sachez-le. Pourquoi il y a un cadavre qui brûle, là? Il y a quelque chose près des tombes? J'ai vraiment peur d'aller à l'école. Vous savez, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Artyom. Yeah, come on, you don't need to be looking at that. I've seen worse. Pas d'objet. Non, ok. Ouais, je te suis, Bill. Sorry, sorry. J'explore, tu sais. Moi, je connais pas ta zone. Sérieux?
Il a dit après cette porte. Après cette porte, il est. Keep quiet. J'ai combien de sur 1? J'ai 2 sur 1. Alors il y en a 1. On a 2. Putain, il me fait peur avec la notification. Ils sont combien? Je dirais 3 à coup sûr. Tu veux faire Mario? Ah, let's go, dragon. Bon jeu, hein. Non plus, je veux plus aller à l'école. Bon, j'aurais tenté. Je sais pas pourquoi je me suis dit, allez, ici, on les tue pas, tu vois. Mais en fait, juste, ça va pas. Hein. Ça fait chier, hein. Je gaspille trop de balles. Hein. Vraiment, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon pour le business, les gars. Je vous le dis. Hein. Oh, ça fait chier. Pas d'objet, rien. Saloperie de claqueur, il y en a combien? Il y en a encore 2 là-bas. Ça me saoule. Faudrait les attirer ici. Et puis se barrer, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici? Si, je lance ça là. Ils sont trop loin. Du coup, je prends une autre pierre. Ça, j'ai 2 pierres à porter, tu vois. Elle est où la pierre? Où est-ce que j'ai jeté la première? Bah, elle est où la première que j'ai jetée? J'avais pas vu! Mais non, mais quoi? Ah, donc la pierre, elle t'a vraiment appelé, quoi. Oh, gaspillage de mun, tout ça. Ah! Myrthe! 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 Dommage, les gars. Mal joué, tout ça. Enfin, mal joué. Je les ai tués, tu vois ce que je veux dire, mais... C'est vrai que j'aurais pu peut-être en esquiver beaucoup plus, quoi. Hein? C'est quoi la discrétion pour toi? Mec, j'ai aucune discrétion. C'est bien mon problème dans les jeux vidéo. Je sais pas être discret. C'est pour ça que je dois apprendre. Faire des photos. Apprendre, j'ai mal. Les headshots sont incroyables. Ouais, franchement, c'est une brique, bata. Ouais, moi, je suis une brique. Moi, je suis une brique. Je dépense trop, mais au moins, ça sert. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais bon, je suis en survivant, donc il faut quand même faire attention. Après, là, ils étaient quand même vachement sur le chemin, donc... Easy. Alors, eux, on peut les avoir vraiment discrètement. Donc, les claqueurs, c'est quand même complexe, quoi. Donc, les tuer, c'est bien. Y'a du loot là ou pas? Non, on dirait pas. Hein.
Ça va, vous trouvez que je joue comment, là? Je joue bien ou pas? Il y a des fois où je suis mort, j'aurais pas dû mourir, mais... globalement, ça va. Hein? Il m'a fait peur, je savais pas qu'il allait tuer l'autre. Oh, des munitions de fusil à pompe. Let's go, les gars, hein, c'est pas grave. Hein. C'est bien que j'ai fait des kills avant. Putain, il y a un claqueur là-bas. Il y a un autre infecté. Ici, tu pouvais passer sans tuer personne. Par contre, le temps que tu passes sur la zone et essayer de faire ça, c'est insane. Ah ouais, mais en fait, il y a toujours moyen. Et non, il y a presque toujours moyen, tu vois. Mais ouais, si c'est pour mourir 15 fois en essayant... Faut faire des choix, hein. Faut faire des choix, quoi. Ils sont deux ou c'est ces cris qui résonnent? J'ai pris mon fusil à pompe, ok. Puis je me suis dit, ben non, l'infecté, il va arriver plus vite. Donc je reprends mon petit gun. Et à ce moment-là, l'infecté était là, trop près de moi. Et puis voilà, c'était foutu. C'est foutu. Zorin, comme une buse, et bonsoir. Salut, bienvenue. Joker, mais... je vous ai posé la question et puis je suis mort, quoi. C'est quand même insane. You weren't kidding about this place, were you? Toi, t'as fait un speedrun, c'est vrai? C'est ton speedrun ou pas? J'ai pas compris comment t'es mort. Bah, je me suis fait one shot par un claqueur, quoi. C'est tout. Il y a lui qui m'a repéré là-bas, l'infecté. Il a crié, le claqueur est venu vers nous, quoi. En fait, l'infecté, il bouge trop. Il bouge trop, je pouvais pas l'avoir discrètement, tu vois. Allez, on kill, nous, on kill, d'accord? On kill et on a plus de munitions, mais on kill. Moi j'aime bien un kill, hein. C'est pour ça aussi. Oh, j'ai pu récupérer une flèche. Alors ça c'est cool par contre. Bon, y a encore plein de créatures, hein. Merde, y en a vraiment plein en fait. Ah merde. Alors on va aller là-bas, mais... Alors je sais pas par où aller. Ah ouais, y a beaucoup d'endroits, hein. J'entends les infectés. Attends, on va aller explorer la bicoque. Oh.
Un Allemand. Ah, ok, je pensais que c'était toi. D'accord, d'accord. Bill, il tire jamais? Si, on l'a déjà vu tirer, hein. On l'a déjà vu découper aussi du zombie. Mais je pense qu'il écosse ses munitions. Oh, il y a une balle dedans. Peter Mrozik. Eh, c'est vrai, stupide enfant. Vous en pensez quoi de la caméra, alors? Vous en pensez quoi de la caméra? On va faire un petit sondage. Chef Gamers, tu peux faire un sondage? Attends, ouais, il est encore là. Hein. Je joue comme ma grand-mère, extrêmement bien. J'ai pas vu. Tu peux faire un sondage. Est-ce que la caméra en carré, c'est OK? Ou est-ce que vous préférez comme ça? Je vais pas changer ça pour tous les jeux, mais ici, c'était un peu pour l'immersion, tu vois. Après, c'est vrai qu'on s'est dit que le fond vert, ça pouvait être cool pour ce jeu. J'y avais pas pensé. Voilà. Dites-moi un petit peu. On me voit en plus grand, et pourtant, je prends moins de place. C'est mort, j'ai rien vu perso. Let's go! Tu nous as fait un cours de biologie, comment on mange les claqueurs. Oui, c'est vrai. Mais après... Vous le savez, je suis un pro-gamer, un pro-streamer. C'est-à-dire que... Faut bien que je meure de temps en temps pour le spectacle, quoi. Hein? Si ça tenait qu'à moi, je gagnerais tout du premier coup, mais... Et vous êtes pas là pour ça. Hein? Vous voulez du sang. Je les entends comme s'ils étaient à côté de moi. C'est un enfer. Ah, ah putain, c'est fermé, là. Ok. Eh bien, mais il y a un type bizarre au milieu. Mais putain! Le top sera le fond vert, je pense. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Relire-nous. J'avais dit, il avait zappé. Non, j'avais pas zappé. C'est pas vrai! Mec, c'est pas vrai, j'avais retenu 21h30. Il est pas 30, c'est parce qu'il y a ton message que j'ai fait « Ok, on va le faire maintenant ». Tu peux faire un sondage, chef? Est-ce que les gens, est-ce que vous préférez ma caméra en carré comme ça ou la version d'avant? À toi de voir comment tu l'écris, mais voilà. Attention, cette version-là restera pour d'autres jeux, probablement. Hein. Mais voilà. The Last of Us, il faut s'immerger avec moi, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu changer un petit peu. Ouh, il y a des claqueurs juste là. Là, il y a du loot, là, c'est sûr, là. Avec une bouteille. Oui, Ultra, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mes alliés ne se font pas attaquer par les monstres assez facilement. Souvent, on les voit pas, quoi. Pour l'immersion, rien ne vaudra jamais le fond vert, ouais. Tu sais que tu veux pas le sortir tout le temps aussi, car ça colle pas à l'ambiance de tous les jeux. Mais c'est ça, mais donc pour The Last of Us, peut-être que le fond vert, ça peut le faire. Peut-être qu'on peut faire ça. Merde. Toi, Billy, tire, là. If you guys would give me a gun, I could help you kill some of these fuckers. Shut up. Mais je galère avec mon sac. Pas de loot, hein, bien sûr. Vous avez vu la discrétion, hein. Non, mais il faut que j'aille explorer partout, les gars, parce que je dois trouver des objets, je dois trouver du loot. Ici, j'étais venu, on est d'accord. Ah, on va descendre. Je peux grimper au-dessus, là, ou pas? Non. Ouais, de l'autre côté. Ah, mais je peux pas y aller, c'est un élément du décor, là-bas. On a vu. Bon, en tout cas, je peux pas aller maintenant.
Je peux peut-être y aller après. Putain, c'est ouf, les gars, on est en pleine ville, là, tu vois. Je veux dire, vraiment, on est dans les jardins et tout, c'est un bordel, en vrai, c'est dangereux, hein. Ici, la mort peut se cacher à chaque recoin, c'est... J'espère bien qu'il n'y ait pas des passages, genre, là-bas, tu vois. Ma pierre, elle est où, ma brique? Parce que j'ai même plus de briques. Tant pis, on verra. Alors, il y a le sondage qui est fait, hein, je ne l'ai pas vu. Carré, 6 personnes. Rectangulaire, 3 personnes. On devrait tester sur fond vert. Ouais, mais prochain live, on teste sur fond vert. Quoi qu'il arrive. Ah, ben là, une bouteille. Parfait. Bon, bah écoutez, il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est pas par ici, je me suis trompé. Je confonds... Ah, celui-là, je l'ai pas fouillé. Ok. Oh ! Ah, comment il les met dans son sac, c'est si stylé ! Quelqu'un veut faire un peu de muscu ? Non, il n'y a pas de poids. Les gars, il y a une porte, hein. On va passer à la prochaine étape. This way. It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? On va passer par là? Stupide enfant, merci pour ton follow. Ça va, j'étais convaincu. J'étais convaincu. C'est quoi ce fond vert? Il y a quoi qui change? Fond vert, en fait, il y aura que moi, il y aura pas le fond. En gros, j'ai un mur vert derrière moi. C'est un tissu que je tends. Je le fais disparaître avec un truc sur mon logiciel de stream. Et tu verras vraiment que moi. Il n'y aura que moi, le jeu. Il n'y aura pas de cadre, de caméra, etc. Il n'y aura que ma tête et mon corps. Voilà. Rien que pour vous. C'est pas si réaliste. Qu'est-ce qui n'est pas si réaliste exactement? Tu n'as pas fouillé le garage. Là, j'ai tout fouillé, là, non? Qu'est-ce que... J'ai oublié de fouiller quoi, Zorine? J'ai pas encore passé le truc, hein. La porte. C'est une poule, c'est pas un clicker à ce stade-là. Pourquoi tu dis c'est une poule? Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. One of those clicker things inside the house. Tu vois, ils disent clicker en anglais, hein. C'était ce garage-là que j'avais pas looté, hein. On est d'accord, il y avait que celui-là, hein. 50 euros PayPal pour le follow, par contre. Bah ouais, bah c'est ce que j'allais te dire, ici c'est payant, hein. T'es follow, mais maintenant j'attends que t'envoies 50 balles, quoi. C'est ce que j'allais te dire. C'est bien, donc t'as vite compris comment ça se passait ici, donc... Bah j'attends les 50 balles, hein, sinon je te unfollow moi-même. D'accord? Putain, ma chaise. Putain, ça c'est le karma. Ma chaise qui se claque toute seule. Donc, merci Kuro. Voilà, il y a le lien. C'est vrai que j'ai même pas pensé à faire la commande, mais voilà, stupide enfant. Le lien est dans le chat, n'hésite pas, d'accord? On l'a dit qu'il y avait encore des... J'ai une idée qui m'a éliminé ce crâne. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, compote. I ain't seen this yet. Just stay down. Careful. Pas de plante, là? Non. Oh, ils sont deux! On est d'accord, je les tue, non? Vous voulez que j'essaye? Vous voulez que j'essaye ou pas de passer sans tuer? À travers par la porte, là. Il y a peut-être moyen, hein. Je regarde à gauche, il n'y a pas des objets. Mais si jamais il me crame, à mon avis, je meurs. J'ai pas envie de tirer 10 000 balles pour rien. On essaye? Je crois pas trop. Non, tue. Non, carnage. Puis ouais, il a dit oui. Rien que pour lui, je vais essayer, d'accord? Rien que pour lui, je vais essayer. C'est que chaque insulte qu'on dit, on le transforme en flipendo. Putain, c'est difficile, hein. Genre, au lieu de dire... Oh putain, je vais faire... Oh, flipendo. Dur. Je vais essayer. Je rappelle que des fois, même quand je bouge pas, ils me captent. Ou même quand je bouge lentement. Parce que quand il faut leur cri,
En fait, leur cri, c'est ce qui leur permet de voir avec des ultrasons, tu vois. Et du coup, des fois même, je peux être super lent, etc. Ils peuvent me voir. Là, ils crient pas, ils sont un peu en veille. Vas-y, mais parle, c'est bien, parle. Lui, on va se le suriner, je pense. Alors, je joue en difficulté survivant et il n'y a pas le mode écoute. Il n'y a pas le mode écoute. Il y en a un autre dans la salle de bain, je crois. Pas du loot. C'est pas la salle de bain, mais il y en a un là. Je pense que j'allais par là, mais... Allez, laissez-moi un objet, quoi. Même pas un putain d'objet. Par hasard, ici, il y aura un objet, mais il y a le clicker devant. Munition de fusil à pompe, les gars. Oh, et nickel, munition de pistolet, let's go. Ça valait le coup, parce que la munition de fusil à pompe, ça one-shot. Si on vise bien. Et avec cette balle-là, ça peut one-shot des petits zombies aussi. Enfin, bref, ça valait le coup. J'ai encore un sur 1, donc... Regardez, mon surin, il est là, il est cassé, en fait. Il n'y a plus le couteau, il n'y a plus que la poignée. Il ronronne le bro, quoi. Bah ouais, c'est vraiment ça, hein. Le Teyusha qui se connecte. Bon. Eh ben... On a bien fait, Piwa. On a bien fait. Oh, la piscine dégueulasse. Par contre, les décors sont magnifiques, hein, les gars. Oh. Récupère la poignée, alors. Mais j'en ai pas besoin. Bon. Attends, je fais le tour du jardin. On va curer des plantes, les amis, puisque je suis un pro jardinier aussi. Ça va, Kuro? Ça se passe, ton taf, toi? Et merci pour le GG. Hein. Une piscine naturelle. Ouais, c'est vrai. Ça va, vous faites quoi, vous, sur le côté? Je demande pour ceux qui font autre chose que regarder le stream. Hein. Parce que souvent, on met le stream sur le côté, on fait autre chose. On sait qu'Artium, il joue à Apex Legends. Dragon, il joue à Mario Kart avec sa sœur. Et quelqu'un d'autre qui joue, je sais plus qui. Ah, j'ai vu un truc briller à l'intérieur. Football! Ça n'a pas beaucoup marché. Et en plus, c'est une balle de basket. Qui veut nager? Je peux aller dedans? Ah merde! Ah, les pompes, ça va être tellement dégueu! Oh. Oh, il m'a fait peur, je croyais que c'était un zombie. Ça va, vous vous emmerdez pas trop? Parce que j'ai conscience que c'est calme hein, comme jeu. Mais on peut discuter, c'est ça qui est cool. Bon, après, s'il y a des gens que comme stupides enfants qui parlent, on va pas trop discuter. Quoi. Enfin, ça va pas être très intéressant, quoi. Mais bon. For now. God damn those things. Nobody's bitten, right? Nope. I'm good. We're all fine. Let's just keep going. Tu kiffes de ouf, let's go. J'avais oublié que c'était un jeu calme comme ça, mais c'est apaisant, hein, c'est chouette. Hein. Enfin, c'est calme, ça dépend, hein, clairement. Mais oh, une chambre et tout. Regardez, c'est trop stylé. On est dans Resident Evil, il faut casser toutes les statuettes. De... Hein?
Je parle pas, mais c'est pour que tu restes concentré. C'est bien, Piora. On va bagarre. On va y aller. Hein. Avant, il n'y avait pas ce truc des plantes. Oui, mais je me rappelais pas qu'on ramassait des plantes, moi, dans le jeu. Je me rappelais pas. Mais c'est cool. Je fais mes ongles. Ah ouais? Somnol, moi, DR. Presque fini ton taf. Let's go. Attends, quoi? Attends, la piscine, là, c'est de la flipendo. Ah oui? Ah, j'ai dit que c'était de la merde? Mince. Oups. Oula. 4 octobre. C'est officiel. L'école est fermée pour une durée indéterminée. Cette épidémie aura au moins eu un effet positif. Pas d'école égale pas de devoir. Et ça me va très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? Attends, il faut parler comme un enfant. Maman et papa se sont disputés. Ils criaient dessus tout en suçotant. C'était bizarre. J'ai cru comprendre que maman voulait laisser sa sœur. Mais papa lui a dit qu'on était en sécurité ici. Que l'épidémie ne nous atteindrait pas. Le lendemain, papa il m'a engueulé parce que j'écoutais la radio. Il a dit que les infos racontaient que des conneries d'abord. Maman, elle lui a donné raison. En effet, elle est convaincante. Mais je sais qu'elle flippe. Ils flippent tous les deux. Le 7 octobre. Je crois que papa, il s'en veut. Pour hier. Gadzette, il a dormi dans mon lit. Et papa, il a même rien dit, quoi. Il est entré, il l'a caressé. Il a soupiré, il est reparti. Je l'avais jamais vu comme ça avant. Le 10 octobre. Papa consolait maman hier soir. Tante Karen est morte. Du moins, c'est ce que je crois avoir entendu. Au petit déjeuner, personne ne disait rien. Comme s'il s'était rien passé. Des où elles eux. 15 octobre. L'officier de zone s'est venu parler à papa. Ou plutôt, il est venu sursauter avec lui. C'est la mode ces jours-ci. Ensuite, papa nous a dit qu'on devait quitter la ville, sans une maison, et que les militaires nous protégeraient. J'ai le droit d'emporter qu'un sac. Maman n'a pas réagi. 16 octobre. C'est dur de parler comme ça. C'est si long, c'est trop dur. Où on va? Les animaux, ils sont pas admis. On est allé jusqu'à la sortie de la ville avec Gadzette. Je lui ai enlevé son collier et je l'ai laissé partir. Sur le retour, papa, il a pas arrêté de dire qu'il irait bien. Qu'il était fait pour vivre dans la nature, en liberté. Ah. N'importe quoi. 17 octobre. C'est l'heure. Papa dit qu'on sera de retour, on n'a rien de temps. Je crois qu'il se gourre. Mon précieux, mon trésor. Je viens de faire une voix pendant 10 minutes et là tu me fais Gollum? Mais pourquoi? De mon côté, je viens de terminer de cuisiner, du coup je reste dans l'ombre. Ça roule, brigand, bon appétit. Tu nous diras t'as cuisiné quoi, hein? Bon appétit. J'avais déjà les plantes avant, oui, c'est vrai. Ah, je me rappelle pas, hein. Bon, ben, c'est quoi ça? Bergenum Dragon? J'arrive pas à lire. Du loot! Ah non? C'est juste du loot, c'est du maquillage! Regardez, c'est du maquillage. C'est bien fait, hein. Je m'y connais en maquillage, je peux vous dire que c'est bien fait. Hop là. Tout est bon à prendre. Oh, c'est tout! C'est tout ce qu'il y a! C'est déjà fini! You got a second? Ouais, on peut parler, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Yeah. I just want to say I'm sorry about Tess. That's it. I won't bring it up again. Ellie, you don't need to worry about me. We should go check on Bill. Okay. Oh, désolé pour Tess. Romain Pipou, ça va ou quoi? Il y a un de ces flipendo dans la maison. Moi qui déteste la saleté, si je vais dans cette maison, je serai en PLS. On dit des gros mots, on dit flipendo. Mais c'est trop dur! Compat, c'est trop dur! C'était Donjon et Dragon? Ah, c'était Dungeon qui était écrit? Attends, je vais vérifier. Il était écrit Dungeon? Mais mec, c'est un B et un E. Birkenham Dragon, c'est pas Dungeon. Qu'est-ce que tu racontes? Let's go, ma pipo, pose-toi. Parce que je voulais... Vous voulez cheveux sur la langue et Gollum? Cheveux sur la langue et Gollum? Non, c'est impossible. C'est impossible, mec. Parce que je contra... Yeah. C'est vraiment trop dur. J'ai essayé, hein. Qu'est-ce qu'il y a, bro? T'as besoin d'aide? Give me a hand with this. Ouais, attends, il y a peut-être encore un objet ici. Regarde, il y a une flèche. Oh, c'est bientôt Halloween, les gars, hein.
Hey, hey, samedi, je fais un stream Halloween. Samedi, on fait Outlast 2, on commence le jeu, et on continue Scorn, qui vient de sortir et qu'on a entamé pendant mon live 24 heures. Suivez les réseaux pour le planning, il y a sur Facebook, sur Twitter et sur Discord. Voilà, let's go. N'hésitez pas. Hein. Et bien sûr, il y a un live 24 heures la semaine prochaine. Oui, parce que j'en ai fait un. Mais moi, comme je suis con, j'en fais deux. Voilà. Bon, YouTube, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 1h35, YouTube. On va clôturer un peu ce qui se passe ici, non? Je sais pas. Si moi, je suis bloqué à 36K. Mais 36K, c'est beaucoup, c'est bien. On sait jamais. Non, c'est vrai, Gary, ça aurait pu, hein. Mais non, c'est simple. Bordel de flipendo. J'aime ce planning. Yeah, l'oseille, c'est vrai? Let's go, ça me plaît. Bon, on garde encore un peu YouTube avec nous. Je pense qu'on le garde un petit peu avec nous, YouTube. Ou alors, j'aurais peut-être pas dû le garder avec nous. Je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle vraiment, vraiment. Clara, merci pour ton follow. La gueule. La gueule. Merci pour ton follow, très cher. Oh merde, il y en a à droite aussi. Merde, il y en a un là-bas. Non mais attends, ils sont trop nombreux. J'ai peur de l'autre qui va arriver. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Eh hey Daniel, ça va et toi? Bienvenue. Installe-toi, mon vieux. Tranquille. Faut que tu fasses plein de jeux comme ça. Des jeux comment? Comme le jeu que je fais là maintenant? Oh merde. Bon, vu que eux, on peut les combattre corps à corps, il y a toujours un monde où c'est faisable de se les faire sans trop gaspiller de mun, mais bon, c'est un peu dommage. En plus, je l'avais pré-shot, j'avais dit que lui, il allait me cramer, mais... Bah, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Ça s'est très bien passé. Et quoi, le jeu, il te plaît, lire-nous, alors? Vrai, Dachou? Posé devant Harry Potter 1, c'est vrai? Qu'est-ce que tu viens faire ici, alors, si tu regardes Harry Potter 1? Ah, c'est pas la même ambiance, ici, hein. Je peux te le dire, c'est pas la même ambiance. Bon, aucun n'a donné du loot, hein. Là, sur la table, il y a peut-être quelque chose. Non. Non, non, non. Bah, écoutez, avançons, hein. Cette table-là. Non. Stop, vous entrez dans une zone de quarantaine. Présentez-vous aux admissions avant de continuer. D'accord, ils avaient clôturé l'école en mode... Ils s'en servaient comme endroit safe. Enfin, comme zone de quarantaine, plutôt. Ah, mais du coup, c'est pas trop safe. Ellie, run! Run! Oh, they're coming from everywhere! Oh! Merde! Je dirais que ça s'est très bien passé. Tu t'attendais à pire? Ils étaient nombreux. D'où tu t'attendais à pire? Alors ça s'est bien passé. Mais si tu t'attends à pire... Ah, des munitions. Oh, let's go. C'est pourquoi ça s'est bien passé pour moi?
parce qu'ils se sont rassemblés, j'ai pu vraiment les shooter au fusil à pompe et leur faire des dégâts à tous et les finir au point. Ça, c'est lourd. J'ai une nouvelle arme. Ouais, j'ai un fusil à pompe, ma pipou. C'est vrai, tu l'avais pas vu, ça. C'est lui qui nous l'a donné. Il nous a donné un fusil à pompe. Et on a aussi, regarde en haut, des grenades. Des bombes, quoi. Voilà, voilà. Pas mal, hein. Bon, j'ai eu un petit peu peur, je l'avoue, sur toute cette scène. J'ai cru que ça allait être la merde. Mais ça s'est bien passé. Je rappelle encore une fois, je suis en survivant. Hein. Michel, sur le bus, où ça? Mais gros, tu me dis cette réplique, on n'est même pas devant le bus. Oui, mais j'ai vu. J'ai vu l'échelle, t'inquiète. J'observe d'abord un peu partout. Mmh. Ok. Allez, vas-y, viens, on va faire la courte échelle. Hop. Eh bien. Demain, il y a concours Harry Potter. Concours des 4 maisons à la télé. Oui, j'ai entendu parler de ça, là, Daniel. J'ai entendu parler de ça. C'est quoi encore? Bien géré. T'as vu, hein, Pyro? Merci. Je sais pas trop c'est quoi. T'as oublié le métier que je fais sur toutes les streams? C'est quoi ton métier, compote? T'es pas sub avant, toi? À qui? À Dashnak? Ah, j'avoue, il est pas sub, le noob. Ouais, c'est un rat. Tu sais pourquoi il se sub pas? Il attend le sub-aton. C'est sûr. Il attend dans plus d'une semaine, quoi, avant de se sub, quoi. C'est sûr. C'est sûr, je te connais, Dashou. T'as dit merde, on dit flipendo. C'est juste pour te tester, en fait. C'est uniquement pour te tester, voir si tu suis encore, compote. We're okay. We just need to get to the hood of the truck. Ouais, ça c'est sûr, Daniel, mais tu vois. Mais encore. Bon. Shit, you hear that? They're coming. Move it, kid. All right. We're gonna get in quick. We're gonna get the battery. We're gonna get the hell out of here. Look, they're piling on this fence over God here. Damn it, they're locked. It's not gonna hold. Mais il y en a qui passent. Ouvre la putain de... Ouvre la fenêtre! Vite, ils arrivent! Allez, Ellie, ils arrivent, je les vois, ils sont là! Hein. Ils sont là! Non! Grab this! Ok, la porte est safe, mais la fenêtre. It's empty. What? Fucking empty! Guys! On cherche une batterie, hein. Bill, where? Anywhere but here. You made the hall, Ash, come on. They're poking through. Bon, ça devrait tenir, ça. Y'a pas les casiers qui s'ouvrent ici? Oh oh. Ça servit à rien. Ça servit à rien. Moi, je vais les tuer, hein. D'accord. On va les tuer, hein.
suis psy, psychopathe. Oui, c'est vrai. Sur tous les streams, je suis psychologue. C'est... Ah, tu trouves que t'es psychologue? Ah ouais, à ce point-là? C'est retour à l'école tant attendu. Putain, petit Guy, je me sens mal. Hein. Comment vous vous sentez depuis qu'on est de retour à l'école, là? Parce que moi, je me sens pas bien. On va attendre qu'elle crie, qu'elle crie au retour, d'accord? Là, elle va faire demi-tour, elle va crier en arrière, et là, c'est là qu'on va lui mettre une flèche dans la tête. Je vais pas t'en dire plus, je verrai demain si c'est bien. Ouais, mais ça roule, Daniel, on en parlera. Hein. Que level 52? Qui ça? Toi, Piwa? Eh, 52, c'est bien, hein? 52, c'est bien, hein? Pourquoi Ellie, elle a surgi de nulle part comme s'il allait m'attaquer, Ellie? Trop bête. Merde, y'a l'autre qui arrive aussi. Merde, je comptais l'attaquer maintenant, elle. Parfait, 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 parfait. Ah, j'entends un claqueur encore. Je crois, l'oseille... C'est ici, le moment qui m'a traumatisé. C'est cet escalier-là que j'ai confondu la dernière fois. Putain, je vois rien. On sait qu'il y en a une qui fait un tour et qui va revenir. Elle est là. Dès qu'elle fait demi-tour, là, je la pourchasse et je l'attrape par derrière. À ma droite. Je vais me faire back, je vais me faire attaquer dans le dos. Je suis mort. Je vais me faire attraper maintenant. Il faut que je cours. Oh non! Il m'a prévenu, il m'a dit « À ta droite !» Et j'ai continué. Je savais qu'il y en avait un dans la pièce là, mais... Mais je pensais que c'était ok, quoi. Il est passé où l'autre? On l'a pas vu. Comment ça, vous l'avez pas vu? Si, moi je... Enfin, moi, je savais qu'il était dans la pièce, je l'avais entendu. Moi, je savais qu'il était dans la pièce à côté, mais... Mais l'autre qui... Mon pote, il m'attendait, j'étais en première ligne. C'est toujours moi en première ligne, hein. Je suis en PLS, phobie scolaire, là. Franchement, de fou, petit qui... Regarde, on se fait agresser dans tous les coins, là, dans les couloirs de l'école. Je lui ai mis un headshot, les gars. Je suis heureux, déjà. Même technique que tout à l'heure pour elle. En là-bas, est-ce qu'il y a du loot? Peut-être, hein. Moi, je pense qu'on la tue, puis je vais voir. Bon, comment je fais pour changer de côté? Il faut que je me mette comme ça? Comment je fais pour avoir la caméra? Voilà. Et le claqueur, il doit être juste là à droite, quoi. C'est fou qu'il m'ait vu. Ok. Tu fight là? La chance des débutants. Mais comment ça? Je suis plus un débutant. Regarde. Ah oh, putain. C'est tellement un headshot qu'ils m'ont laissé récupérer la flèche. Non, je suis un pro gamer, mec. Je vous ai dit aussi, j'aime pas réussir du premier coup. Donc c'est pour ça. Là, on refait le niveau, on le fait mieux. Est-ce que la porte s'ouvre? Ah non, c'est pas une porte, elle est bloquée. Oh! Il y en a une qui est tombée de l'étage au-dessus. Je me disais bien que j'avais entendu un autre bruit, un autre... Je fais quoi? Mais là, on fight, non? On fight, non?
Non, non, non. Dommage. Oh, j'ai récupéré une balle, merci. Ouais, dommage pour les deux balles de pompe, hein. Dommage, dommage, dommage. Je récupère encore ma flèche, là. Ça s'est presque bien passé, hein. Presque. Presque. Un peu déçu. On essaie vraiment d'éco un maximum la totalité de nos objets, hein. Bon, attends, parce qu'on n'est jamais au bout de nos surprises, ici. Putain, j'ai raison, il y en a un autre, c'est pas grave. Ah merde, il y a carrément des... Regardez ce qu'on va faire, regardez ce qu'on va faire, regardez. Je pensais pas qu'elle allait mourir, je voulais que Billy s'en occupe. Bon, ben là, la bombe, elle aura été utile. Hein? J'aurais tué deux gars, enfin... Non, c'est bien. Hein. Propre, hein? Salut, Wanxo! Comment ça va aujourd'hui? Ça va ta petite tête? Bienvenue dans The Last of Us. Installez-vous très cher. Installez-vous. Bon, ben, y a même pas... Y a rien. Y a rien. Looks like there's a path down this hallway. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouh! Ouh! Beau move. Merci, ma pipou. Enfin, c'était pour le coup d'avant, j'imagine. Crier pour mourir. Mais pourquoi? C'est pas Bill, c'est Billy. Non, il s'appelle Bill. Tu veux qu'on l'appelle Billy? Il s'appelle Bill, lui. Il s'appelle pas Billy, quand même. Bata qui se penche IRL pour essayer de voir l'autre côté. Je te jure que ça m'aide. C'est un de mes secrets de pro-gamer. C'est un de mes secrets de pro-gamer, voilà. Je jure que ça fonctionne. Quand on a eu mal de tête aujourd'hui, mais maintenant... Oh, j'ai fui les invités. Mais comment ça se fait que t'as tout le temps des invités chez toi qui t'embêtent comme ça? Comment ça se fait? Ma petite Wanxo. Mon petit Wanxo. Bon, YouTube, t'es avec nous depuis 2 heures, là. Alors que je pense à te dire au revoir, YouTube, bientôt, non? On va clôturer l'école, hein, je pense. Hein? Les gars. Tu l'appelles Billy. Je l'ai appelé Billy? Ah, tu veux que je l'appelle Billy, pardon, ok. Joël combattant MMA. Hey, il est balèze ou pas? Est-ce que... Quoi, ton mal de tête, ça pourrait dû à être à... Dû... Ça pourrait être... Attends. Être dû à quoi? Ça se dit comme ça? Être dû? Non? Si? Ce serait à cause de quoi, ton mal de tête? Les écrans? Le stress? Autre chose? Dis-moi. Ça se dit être dû? Ouais, ça a sonné si bizarrement. Le mec qui rampait et qui meurt après solo. Ah, c'est de ça que tu parles! Ah oui, ok, oui. Et ça me stressait, hein. C'était gênant un peu comment il hurlait au sol en rampant. Hein. Ah, on voit mon micro dans la caméra. Hop, ah, non, on le voit plus. Honnêtement, je sais même pas pourquoi il y en a là. Courage. Moi, j'ai la chance de jamais avoir mal de tête. Jamais mal de ventre. Mais je suis asthmatique. Et j'ai d'autres trucs, tu vois, mais... Toi, tu l'appelles Billy depuis... Sérieux? Ouais, bah écoute, c'est qu'il est destiné à se faire appeler Billy, alors... Je savais pas, compote. Allez, let's go. Help me open this. All right, ready? Migraineuse de ouf, c'est vrai, Liz. More on the way.
Barricade the doors. This ain't gonna hold up for long. Oh, that don't sound good. Ellie, take cover! I got this. Ellie, just stay away from her. We gotta get up there! We can't find these bleachers on the... Oh putain, il a bougé! Oush! Oush! Ah, la fatigue, ça joue, hein, pour la petite tête. On cherche quoi dans le jeu? Alors, je vais t'expliquer où on en est. Je vais t'expliquer où on en est exactement, d'accord? Je lis un petit peu le chat d'abord. Je commence à être malade. Oh non, Dachou! T'as trop travaillé, c'est pour ça. J'ai dû passer un électrocéphalogramme il y a longtemps pour ça. Ah ouais? Pour voir qu'est-ce qui causait tes mal de tête? Et quoi, il y a eu des solutions, des réponses? C'est ultra... Là, c'était gore, hein. C'est ma pire phobie scolaire, attaquée par un colosse. C'est vrai? C'est vrai, petit Guy, où tu rigoles? Moi, je me suis pas fait bolosser à l'école, mais il fallait se représenter, surtout dans la ville et tout. Voilà, et faire le grand, quoi. Je m'attendais pas à cette animation. Alors moi, dès qu'il m'a attrapé, je m'attendais un peu à ça, mais je l'avais pas encore vu. Je crois qu'il y avait déjà un peu ce genre-là dans l'original à l'époque, je sais plus trop, mais là, je savais que... C'est sur un peu exterminé. Let's go, monsieur K! Ben, j'ai besoin de force, là, en plus. J'ai besoin de force. Là, c'est compliqué, ici, le combat. Le gros, il court beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, le gros, il court vite. Et en plus, il me court derrière moi. Hein. Bon, pour Wangso, là, dans le jeu, donc, au début... Enfin, je vais pas tout réexpliquer. Hein. On s'est retrouvé avec une gamine dans les pattes, OK, qui s'appelle Ellie. C'est devenu un de nos colis. On était censé la livrer à des gens, mais en gentil, hein, on la prenait pas par la force. Hein. On devait juste la livrer, la faire sortir de la ville. Et malheureusement, sur le chemin, mon amie s'est fait mordre. Elle est morte derrière ça. Tess. Voilà, c'est triste. RIP. Et on s'est retrouvé toute seule avec la gamine. Sauf qu'avant, on a remarqué que la gamine était un peu spéciale. Elle s'est fait mordre par un zombie. De son histoire, hein, apparemment. On a remarqué qu'elle était... Oh, attends, ouais, j'explique mal. En gros, on s'est fait contrôler par les soldats. Les soldats ont sorti un appareil pour voir si on était positif au virus. Et elle était positive. Étrangement. Et en fait, elle s'est fait mordre, et 3 semaines après, elle s'était toujours pas transformée, tu vois. Donc, elle a peut-être quelque chose dans son sang, quelque chose qui pourrait aider pour le futur. Et nous, de base, c'est pas notre problème, tu vois. Elle était mise dans nos pattes, comme ça. On n'a pas fait exprès, c'était pas notre boulot de base. Nous, on cherchait des armes. Nous, on est des contrebandiers, etc. Maintenant, Joël, il est tout seul avec elle. Notre amie est morte. Il sait pas quoi faire, à part aller amener la fille à bon port en espérant que peut-être ça sauve le monde. Il sait pas quoi faire, Joël. Il voit que ça. Il se sent obligé. Et là, l'objectif à court terme, Wangso, ici, on a essayé de retrouver un de nos amis qui habitait dans une ville en mode solitaire. Tu vois, il a barricadé plein de bâtiments. Il vit en solo. Bill, on a dû travailler avec lui par le passé. On a été le voir parce qu'on s'est dit qu'il aurait peut-être une voiture pour nous. Une voiture pour qu'on puisse aller loin. Parce qu'on doit aller très loin. Là où on doit amener la fille, je sais plus très bien c'est où, mais c'est pas tout près d'ici, tu vois. Et là, on est avec Bill, et il a dit, gros, tu débarques chez moi, tu crois que je vais te filer une bagnole? Tu crois que j'ai une voiture comme ça ou quoi? Sérieusement? Il a fait, bon, écoute, gros, allez, je peux t'aider, mais la voiture, il va falloir qu'on la fabrique, entre guillemets. J'ai une voiture, mais il manque telle pièce, viens, on va la chercher ensemble. Donc là, on cherche une batterie de véhicule. On l'a toujours pas trouvée. On cherche une batterie de véhicule pour mettre dans la voiture, et ensuite, on se barre, tout simplement. La batterie devait être à l'école, et au final, non. Donc là, on essaie de se casser de l'école, on sait pas trop ce qui va se passer. Ouf, voilà. J'explique très mal, hein. Il y a plus de détails, mais voilà. Finalement, heureusement. Bah ouais, tant mieux. Chez moi, c'est migraine auditive et oculaire. Oh, dur. Tu dois faire gaffe à tes écrans. Boire beaucoup d'eau. Hydrater le cerveau, ouais. D'ailleurs, je bois pas beaucoup aujourd'hui.
Fais la rapide, oui, désolé. Je l'ai fait un peu longue, peut-être. Bill, on l'a rencontré quand ? Bah, au début du live, hein. Oh, merde. Ok. Non, non, non. Mais qu'est-ce qu'il fait déjà là? Dommage qu'il n'y a pas une autre animation de mort. Attends, mais ça va être super dur. Si seulement j'avais encore ma grenade, ça va être très dur, hein. Je sais pas comment je vais faire. Tu fous de ma gueule? Allez, tue-le vite et puis cours! Le temps qu'il met pour mettre une balle, c'est une blague ou quoi? Le temps qu'il a mis pour mettre la balle, sérieux. J'avais confiance, je me suis dit, je vais mettre une balle dans la tête, et je croyais en ma bonne chance, je me suis dit, ça va le tuer, ou ça va le stun. Et là, le mec, attends, je vais mettre la balle dedans, laisse-moi 5 minutes. Ça commence à être difficile, hein. De Corail dans l'ombre. Et De Corail, je t'ai pas vu aujourd'hui, c'est vrai ça? Dis donc. Magad, Batalan, mais laisse-moi tranquille, connard. Oh putain, oh non. Oh non, 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 non. Il m'a... Non seulement j'ai raté ma balle, mais en plus il m'a lancé une boule... Putain, Harry, dégage. C'est si dur. Ce qui me fait marrer, c'est que tu rages, mais hyper gentiment. Mais en vrai, je rage pas, hein. Pas encore. Il y a des munitions au sol. Hey, il est rapide le gros, hein. Oh!
Il était temps. He's just been infected for a long time. We call him bloaters. Bloater. Colosse. Okay, got it. I hate to interrupt your little biology lesson, but can we get the fuck out of here, please? Oh, tu veux te dépêcher? Moi, je vais pas me dépêcher, mon gros. Hein. Get on top of these bleachers. Give me a boost, Joel. Non, moi, je vais regarder s'il y a pas du loot. Il y a une flèche, là. Plantée dans le vide. Hop là. Ah, merci pour les GG, les gars. C'était cool. C'était cool, en vrai. Mais c'est vrai que j'ai eu peur. Je me suis dit, waouh, là, ça fait déjà quelques fois que je recommence. Oh! Et 6 balles de fusil à pompe au sol? Mais what the fuck? Ah, le pire, c'est qu'on sort de là. Les gars, je suis full life. Je suis full life et j'ai plus de munitions qu'en arrivant. J'ai même pas encore été voir dans cette pièce. Oh, regardez là. En gros, les colosses, ils sont infectés depuis très longtemps et doivent avoir une condition physique qui fait que leur corps peut tenir beaucoup plus l'infection. Ça veut dire qu'il n'y a pas un objet dans cette pièce? Ah, dégueulasse. Il y a un truc là. Non? Il n'y a pas de loot. Enfin, j'aurais vraiment cru. Ah, Batacha. Oh! 22h30? T'as mis 22h... Attends. Mais 22h30, c'est dans 12 minutes! Mumu! Ah, oh! C'est dans 12 minutes, mec! C'est un peu tôt, non? Non? Fouille bien. Mais on a eu un petit objet, mais c'est tout, hein. C'est tout. Après, je suis en survivant, je rappelle. Et en survivant, il y a moins de loot. Tu vois ce que je veux dire? Oups. Tu peux mettre 23 heures, peut-être? Écoute, YouTube. YouTube, c'est la fin de cette VOD. Mon petit YouTube, t'es resté longtemps avec nous. T'as vu pas mal de combats. On va sortir de l'école. Moi, on clôture maintenant. Comme ça, l'épisode d'après, on voit ce qui se passe à la sortie de l'école. Va-t-on trouver la batterie nécessaire pour réparer la voiture? Va-t-on survivre? Bill va-t-il rester dans l'aventure avec nous? Ellie va-t-elle se transformer en zombie? Tout sera dans le prochain épisode. YouTube, des bisous. Merci pour les drapeaux. Des bisous, YouTube.